Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors on a rendez-vous le 3 mars matin avec la présidente du conseil régional et son nouveau vice-président délégué aux ressources humaines, nouveau vice-président Patrick Ayache. Alors je pense que vous avez suivi, Hicham Boujila qui était le vice-président RH depuis le nouveau mandat de la présidente, nouveau mandat de juin 2021, a été démissionné de ses fonctions parce qu'il a exprimé des doutes sur la privatisation des TER en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis persuadé qu'une autre voie est possible, consistant à renouveler notre convention sur une période à définir, peut-être de 3 à 6 ans, nous amenant jusqu'en 2029 ou 2033. Alors c'était violent quand même, certains qui confondent peut-être syndicalisme et politique m'ont dit, l'occasion d'échange, je leur en veux pas, j'écoute tous les avis, que la présidente elle avait eu raison, que pas une tête ne doit dépasser. Bon, moi je reste dans mon rôle, je représente les intérêts des agents, des salariés, du service public, et donc si on fait une manifestation devant le conseil régional, devant la région pour demander aux élus de ne pas voter le démantèlement, la privatisation des TER de notre région, je vais plutôt soutenir les élus qui sont d'accord avec nous et qui viennent sur nos revendications, plutôt que l'inverse. C'est quand même ça la stratégie syndicale. Franchement, si tu demandes à quelqu'un de te soutenir, si tu demandes à un élu, à un responsable, de te soutenir dans tes revendications, puis qu'après tu regardes tes chaussures parce que les personnes qui ont soutenu, elles sont sanctionnées ou malmenées, les personnes qui ont soutenu les idées, les mêmes combats que toi, elles se font taper dessus et puis que ça te fait peur, il faut changer de métier, quoi. C'est pas très glorieux, donc c'est pas la peine de faire ça. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, Hicham Boujila a été remplacé par Patrick Ayache aux ressources humaines. Et donc, on doit rencontrer le nouveau vice-président ce jeudi 3 mars matin. La présidente va nous le présenter. On n'a jamais travaillé avec lui, mais bon, il doit quand même bien connaître le sujet parce que c'est l'ancien DGS de la ville de Besançon. Et en même temps, on nous a dit qu'il avait bossé, il bosse peut-être encore d'ailleurs, pour le CNFPT et puis pour la SMACL, qui est une société d'assurance des collectivités locales, si j'ai bien compris. Donc, clairement, il connaît bien le sujet des collectivités locales, il connaît bien le sujet des ressources humaines. Bon alors, avec les copains de l'UNSA, on a préparé un peu cette réunion parce que on se méfie quand même. Au début, on devait parler à l'occasion de cette réunion de pouvoir d'achat. La présidente et le VP devaient nous parler pouvoir d'achat. Et puis, on a reçu le message d'invitation en nous disant la date et le lieu. Puis là, c'était l'ordre du jour, c'était simplement présentation du nouveau VP et puis agenda social. Donc, on avait dévié sur d'autres sujets. Alors nous, à l'UNSA, on s'est dit qu'on allait faire un courrier à la présidente. Quand on a vu l'ordre du jour arriver, on a fait un courrier à la présidente et au nouveau VPRH pour lui parler du contexte actuel et puis pour remettre le sujet du pouvoir d'achat au cœur de cette réunion, comme ça nous avait été annoncé par les représentants de l'administration. Parce que oui, l'inflation qui atteint un niveau record en France, 3,6%, en hausse de 3,6% en février 2022, et un point d'indice de la fonction publique qui est gelé depuis 2010, à l'exception de deux misérables augmentations en juillet 2016 et en janvier 2017, 0,6%. Alors oui, c'est effectivement indispensable de prévoir urgemment des mesures pour améliorer la situation financière des agents du conseil régional. Donc on a cherché ce qu'il fallait faire immédiatement pour les agents et on s'est dit qu'il fallait revendiquer une revalorisation immédiate du CIA pour donner un signal fort aux agents. Alors pourquoi le CIA? Pourquoi cette prime CIA? Parce que c'est le seul dispositif qui nous permet d'avoir un effet rapide. CIA, il est versé en juin au conseil régional. Là, on est au mois de mars, donc on peut décider de modifier le montant du CIA en avril-mai pour un versement effectif en juin. C'est l'outil le plus rapide pour donner du pouvoir d'achat aux agents. Alors on a aussi demandé dans ce courrier, on a demandé à la présidente de mettre en place des bons carburants pour aider les agents, parce que je vous fais pas un dessin, mais le prix du carburant devient insupportable. On a aussi demandé dans ce courrier de diminuer le nombre de kilomètres pour être éligible au ticket mobilité. 60 km aller-retour, c'est trop, ça exclut trop d'agents. Et il faut modifier le ticket mobilité. On a demandé aussi à la présidente une mesure immédiate de revalorisation des tickets restaurants pour les agents, sans hausse de participation des agents, pas d'effet pervers dans cette revalorisation, il faudra qu'on y soit vigilant. Et puis aussi, dans le courrier qu'on a envoyé à la présidente pour remettre le pouvoir d'achat au cœur de nos échanges, l'UNSA a rappelé à l'exécutif sa parole, la parole donnée, l'engagement de verser une prime après la crise sanitaire, alors pour tous les agents, sans distinction de mobilisation
ou de situations, on a demandé que cet engagement il soit tenu. La présidente avait dit que, et l'administration avait dit qu'il y aurait une prime après la crise sanitaire. Il faut que cet engagement soit tenu. Alors ça, c'est des mesures immédiates pour neutraliser l'inflation et aider les agents. Les mesures qu'on a envoyées à la présidente, pour qu'elle ait on les a envoyées préalablement pour qu'elle ait le temps d'en prendre connaissance, de les analyser, de les faire analyser par ses services. Donc ça, on l'a envoyé dans le courrier de revendication. Et puis dans ce courrier de revendication, on a aussi demandé un travail qui va prendre un peu plus de temps. C'est pas des mesures immédiates, mais qui pour nous est un travail indispensable, un travail qui consiste à lancer les travaux d'une évolution de notre régime indemnitaire au Conseil régional, évolution du régime indemnitaire actuel, pour en corriger les faiblesses, pour le revaloriser sérieusement, et puis pourquoi ? Pour permettre, par une revalorisation du régime indemnitaire, d'assurer l'attractivité de notre collectivité, des métiers de notre collectivité. Et puis aussi, on a dit à la présidente qu'on avait fait le constat, on lui a envoyé cette revendication-là aussi, on a fait le constat, c'est le retour des agents que je vous donne là, que face à la hausse du coût de la vie et de la stagnation des salaires, eh bien, il y a deux questions qui deviennent prégnantes. Première question, la mise en place d'une prime de départ en retraite, tant le choc financier est brutal pour les agents qui partent en retraite, pour les agents du Conseil régional qui prennent leur retraite. Puis la deuxième question qu'il faut qu'on se pose maintenant sérieusement, c'est la mise en place d'un véritable 13e mois. Cette question, elle se pose légitimement. Il y a le CIA qui est versé en juin, mais ce n'est pas tout à fait un 13e mois. Il faut qu'on arrive à un 13e mois au Conseil régional pour les agents. Ça, c'est ce qu'on veut mettre dans l'agenda social pour les négociations de 2022-2023, si on reprend une année scolaire. Enfin, on a terminé le courrier de revendication adressé à la présidente et son nouveau vice-président RH en donnant la liste complète de nos revendications syndicales de début de mandat. Vous avez suivi ça. Quand le nouvel exécutif a été mis en place, on a envoyé un long courrier avec toutes nos revendications sur toutes les thématiques qui concernent les agents. D'ailleurs, un certain nombre de sujets de revendications ont abouti. Donc, merci à l'administration de nous avoir suivis sur ces sujets. Et puis aussi, on a demandé à la présidente, et c'est un sujet qu'on abordera aussi le 3 mars quand on va le rencontrer, on a demandé à la présidente de nous soutenir pour que sa voix porte au niveau national un nécessaire dégel du point d'indice et obtenir une juste réforme des grilles indiciaires de la fonction publique, parce que le système actuel, on va se dire les choses, il est à bout de souffle. Je vous donne un exemple, mais vous connaissez cet exemple puisque j'en ai déjà parlé dans ces publications vidéo. Les 4 premiers échelons d'adjoints administratifs ou d'adjoints techniques, c'est pareil. Les 4 premiers échelons, ils sont tous au même niveau. Le salaire minimum en France. Pendant 5 ans, les agents, ils prennent des échelons, mais ils restent au même salaire. C'est scandaleux, c'est insupportable, c'est une honte que la ministre actuelle de la fonction publique, elle laisse faire ça. Et donc, oui, on a fait ce choix-là. Bon, merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Donc, on a besoin de la présidente pour que sa voix porte au niveau national pour lui demander de changer ça, dégeler le point d'indice et modifier, revaloriser les grilles indiciaires de la fonction publique. Bon, je ne vais pas être plus long parce que je voulais faire une courte vidéo, mais vous informer de ce qu'on allait revendiquer quand on va rencontrer la présidente et son vice-président. Vous avez donc l'état d'esprit, on est combatif, on est prêt pour ce rendez-vous avec la présidente et son vice-président. J'arrête là pour cette fois. Pouce bleu pour remercier, ça encourage, c'est sympathique. Et puis abonnez-vous en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.